Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sfrakoulomike et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'événement Fortnite qui n'aura pas lieu pendant la saison 5. Donc pendant la fin de la saison 5, nous n'aurons pas d'event cette fois-ci. Mais cependant, nous aurons un énorme événement dès le début de la saison 6 de Fortnite qui se passera en début de journée le mardi 16 mars. Alors Fortnite a dit que ce serait une conclusion explosive de la saison 5 qui se passera dans la saison 6. Donc on imagine bien que le point 0 va sûrement exploser, surtout que là pour l'instant, le point 0 a augmenté ses battements d'explosion à 2 minutes et avant il explosait toutes les 5 minutes si je ne me trompe pas. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que début de la saison 6, si vous lancez pour la première fois Fortnite saison 6, vous allez rejouer l'événement obligatoirement sur Fortnite. Alors peut-être que vous pourrez le passer, mais sinon si vous vous connectez pour la première fois à la saison 6 de Fortnite, vous allez pouvoir revivre l'événement en solo. Donc ça c'est quand même un truc assez stylé. Donc pour ceux qui ne sont pas disponibles à l'heure de l'événement mondial, eh bien ils pourront revivre l'événement en solo quand ils lanceront la première fois Fortnite saison 6. Alors dans l'article que je lis et que je vous mettrai en description, donc c'est l'article officiel de Fortnite qui parle justement de la saison 6, je vous le mettrai dans la description et en commentaire, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc dans cet article, ils disent que l'événement se passera mondialement sur leur chaîne YouTube je suppose, parce qu'ils disent qu'on va pouvoir suivre l'événement directement sur internet. Alors ils disent que ce sera un événement cinématique les plus ambitieux qu'ils ont fait depuis le début de Fortnite. Donc apparemment, les cinématiques qu'on va avoir là-dedans, ça va être du lourd, lourd, lourd. Alors la dernière chose qu'ils disent, c'est qu'on se retrouvera de l'autre côté. Alors avec cette phrase, plusieurs personnes pensent qu'on va avoir une toute nouvelle map Fortnite. Que genre l'île qu'on a actuellement va disparaître, donc va exploser et on aura une nouvelle île. Alors après ça, c'est une rumeur. Je ne sais pas s'il faut vraiment y croire. Moi, j'y crois pas forcément. J'attends de voir vraiment ce qui nous réserve et je m'avance pas plus. En tous les cas, apparemment, ça va être un énorme événement qu'on va pouvoir jouer en solo. Donc, on va pouvoir rejouer en solo dès qu'on se connectera à la saison 6 de Fortnite. Et on va pouvoir aussi le regarder en direct sur Internet. Donc, je suppose que ce sera sur les chaînes YouTube de Fortnite ou sur leur chaîne Twitch. Mais de toute façon, moi, je serai en live pendant l'événement. Je vous filmerai tout ça. Si bien sûr c'est dans des heures respectables, sinon ça va être un peu compliqué. Mais voilà, j'essaierai de vous filmer cet événement et de vous le retranscrire sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sfrakoulomike et ciao. Peace.